Salut tout le monde, salut. Salut famille, t'as dit quoi? T'as reconnu la voix, c'est Slama, zone de Paris. L'homme qui fait trembler Facebook en ce moment. L'homme qui fait trembler Facebook en ce moment, c'est moi. Je vous ai dit. J'ai dit que je ne voulais pas parler. Il y a des dossiers ici. Il y a même des vidéos. Je ne veux pas parler. Mais quand je suis là, je regarde ce qui se passe sur Facebook. Je me dis, c'est foutaise. Ouais. Parce qu'arrivant à certains moments, là, il faut qu'on se respecte dans ce milieu. Voilà, nous tous, là, on est blogueurs, on est influenceurs. Ah, il faut laisser mon truc, là, ouais. Chaque personne a sa cote de popularité. Mais arrivant à certains moments, il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Moi, j'ai toujours dit, quand je respecte une personne et cette personne en retour ne me respecte pas, je te montre que tu es rien. Ouais, c'est comme ça. Moi, je te respecte, tu me respectes. Je te respecte, tu ne me respectes pas. Là. Hé, champion, ce n'est pas toi que tu payes mon loyer. Ce n'est pas toi que tu as payé mon billet d'avion pour venir ici en France. J'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages de mes collègues blogueurs, des artistes. Qui m'ont dit c'est l'Amazon, faut supprimer les trucs de la go, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais pour le respect pour des personnes que je respecte énormément, que des artistes, les influenceurs et consorts, après je vais retirer toutes les photos, je ne vais plus parler. Mais il faut que je parle parce que trop c'est trop. Arrivant à certains moments là, libérer la vie de Eka, parce que quand vous allez toujours parler de Eka là, moi je vais venir parler dedans. Dites ce que vous avez envie de dire. Mais ce soir-là, je vais parler à mon grand frère Peter. Je n'ai pas affaire aux petits influenceurs consorts. Là. Et moi, je travaille. Hein. Je viens de finir mon boulot. Je ne suis pas chômeur de Facebook. Je travaille et puis il y a mes entreprises. Ceux qui comptent sur Facebook à la fin du mois pour manger, là, vous les connaissez. Voilà. Mon loyer, là, c'est 600 euros. C'est moi qui paye. Voilà. Je ne suis pas chômeur de Facebook. Mais arrivant à certains moments, partagez la vidéo, famille. Ce n'est pas un rabaissement de quelqu'un. Arrivant à certains moments, il faut qu'on arrive à arrêter. Vous comprenez un truc? Ce soir-là, je vais parler à mon grand frère avec tout le respect que je te dois. Avec tout le respect que j'avais pour toi. Maintenant, moi, il n'y a plus de respect pour toi. Hein. Tu es devenu comme mon camarade de classe. Il n'y a plus de respect pour toi parce que ce respect que j'avais envers toi, grand frère, t'as bousculé, t'as jeté ce respect-là en l'air. Les fans qui sont sur Facebook, vous ne savez pas c'est quoi qui se passe hors réseaux sociaux. Du coup, avant de venir juger quelqu'un, avant de venir moi m'insulter là, il faut réfléchir avant de venir moi m'insulter. Moi, je ne suis pas là pour insulter maman de quelqu'un ou bien papa de quelqu'un. Mais on va aller de pas à pas. Grand frère Peter, moi-même là, ton histoire et puis Eka là, j'ai envoyé des gens envers toi. Et je t'ai dit pour l'image là, si vous n'êtes plus ensemble, laisse la fille dans son coin. Et puis toi là, vis ta vie. C'est ça, on dit un homme. Un homme, quand tu finis une relation avec une fille, vous n'avez plus rien à vous dire là. Tu la vois, même si elle est en train de sortir avec quelqu'un, tu laisses passer. Mais toi, tu es là sur la vie de Eka matin, midi et soir. Et t'es prévenu. Est-ce que tu m'as, depuis votre histoire là, tu m'as vu parler de toi? Je ne parle pas de toi. Parce que le jour qu'on s'est croisé au live star, grand frère, tu sais ce que tu m'as dit et tu sais ce que je t'ai dit. Je ne voulais pas parler de ça. Mais quand je réfléchis et regarde, non, il dit c'est foutaise, il faut que je parle de ça. Il faut que je vienne me prononcer sur cette affaire-là. Tu es un grand frère que moi, j'ai toujours respecté. Tu sais pourquoi? Parce que toi, c'est grâce à Arafat, moi, je t'ai connu. Hein, je te dis ça en même temps. C'est grâce à Arafat, là, que moi, je t'ai connu. C'est quand Arafat chantait putain 007, c'est dans ça que moi, je t'ai connu. À partir de ce moment-là, je t'ai toujours respecté. Mes grands frères, toi-même, et l'impression que tu ne veux pas du respect. Du coup, on va te manquer du respect. C'est ça qui te plaît. Des gens vont dire pourquoi je viens parler de Peter. Je vais vous dire pourquoi. Toutes ces personnes qui sont là insultées, Emmanuel Keïta matin, midi et soir là, c'est Peter qui envoie les dossiers à tous ces blogueurs, blogueuses sur Internet. Ce n'est pas la première fois que j'envoie des gens dire à Peter, grand frère, calme-toi, concentre-toi sur ta vie. Emmanuel Keïta ne parle plus de toi. Elle est passée à un autre level. Toi-même, là, concentre-toi si tu as vu. Est-ce que tu m'as une fois écouté? Tu ne m'écoutes pas. Une fois, tu ne m'as pas écouté.
deux fois, tu ne m'as pas écouté. Trois fois, tu ne m'as pas écouté. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Vu que c'est ce que tu veux qu'on parle de toi. Tu veux qu'on parle de toi un peu partout. Il n'y a pas de souci, nous allons parler de toi. La fille même que tu entends de montrer aux yeux du monde entier que c'est ta go là. Toi-même en âme et en conscience, tu sais que ce n'est pas ta go. Juste pour faire du mal à quelqu'un, tu es prêt à tout. Grand frère, prends ton temps, réfléchis, prends ton temps. Un homme là, tu vieillis, hein, tu n'as pas 17 ans comme moi ou 19 ans comme moi. Moi, j'ai au moins 30 ans, 40 ans même à venir encore. Toi, tu es dans les trentaines. Arrivant à un certain moment de la vie là, pose-toi la question, qu'est-ce que tu deviens? Tu ne vas pas passer tout ton temps à sauter de femme en femme. Tu ne vas pas passer toute ta vie, putain, à sauter de femme en femme. Ce que tu entends de faire là, c'est les gamins de 15 ans qui font ça. Ce que tu entends de faire, sortir avec elle, venir mettre ça sur les réseaux. Tu n'es pas obligé de mettre ta go sur les réseaux. Parce que la fille même que tu mets là, hier j'étais avec les Elvige. Et là, j'ai dit, la fille, là, je la connais de A à Z. Il y a les dossiers. Elles ont commencé à rigoler. Je connais la fille de A à Z. Il y a même des vidéos, si je mets là. Peut-être que tu vas laisser la go. Mais je ne veux pas mettre pour respecter l'image de nos mamans. L'image de la femme. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui m'aiment. Il y a beaucoup de mamans qui me soutiennent. À cause de ces personnes-là, je ne vais pas mettre. Mais grand frère, ce que tu entends de faire là, c'est pour les gamins de 15 ans que tu entends de faire. Tu es dans les trentaines. Cherche à te caser. Ta femme ne doit pas être sur les réseaux sociaux. Parce que tu connais le game. Tu connais très bien le milieu. Tu n'es pas obligé de mettre ta femme sur les réseaux sociaux. Tu comprends un peu. Mais quand on te parle, tu ne veux pas. Et puis ensuite de cela, regardez toutes les pages qu'ils ont partagées, la vidéo de la fille. Pourquoi j'ai balancé les photos de la fille? Pourquoi ils sont en train de révéler la vraie identité de la fille? Je vous explique. Toutes les vidéos qu'ils ont balancées là, à la fin, ils ont mis la tête de ma vieille mère. Vous n'êtes plus ensemble. Et ces vidéos-là, c'est toi-même, puteur, qui les a fait et envoyé. À la fin, pourquoi vous mettez l'image d'Emmanuel Keïta? Ta femme, c'est ta femme. Allez-y, vous mougounou, on s'en fout. Tu comprends un peu? Allez-y, vous mougounou, on s'en fout. Mais l'image de ma vieille mère, tant que tu vas mettre l'image de moi, ma vieille mère, dans tes trucs-là, si j'ai des papous à casser, je veux venir casser. Fais-toi respecter, nous les petits frères là, on va te respecter. Mais tant que tu ne vas pas te faire respecter là, partagez la vidéo. Tant que tu ne vas pas te faire respecter, tu crois que moi je te respecte? Est-ce que vous êtes obligé? Ça veut dire la fille a fini de danser, une poclée de Paris, une poclaille de Paris. Il y a tout, il y a même des vidéos. Mais il n'y a pas envie de balancer pour le respect de nos mamans. Une poclaille de Paris, à la fin de sa vidéo là, vous mettez photo de Emmanuel Keïta. C'est... Enfin, j'ai regardé et dit c'est des foutaises. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que ces vidéos-là, c'est toi-même. C'est toi-même qui fais collage des vidéos. T'attends pour faire collage des vidéos et puis envoyer ça à quelqu'un juste pour te moquer de Emmanuel Keïta. Tous ces blogueuses, blogueurs qui parlent d'Emmanuel Keïta, là, partagez la vidéo s'il vous plaît, famille. Tous ces blogueurs, blogueuses qui parlent mal d'Emmanuel Keïta, grand frère, c'est toi, tu es derrière ça. T'as pas une vie. T'as pas une vie après Emmanuel Keïta. Tu ne peux pas te concentrer sur toi-même, ta vie là. Regarde ta vie comme elle est. Ça fait combien d'années que tu es ici en France? Qu'est-ce que tu as réalisé au pays? Depuis moi, je te connais jusqu'à aujourd'hui. Là, je ne t'ai jamais vu en Côte d'Ivoire. T'as réalisé quoi? T'as rien. Tu ne regardes pas tes amis, les Goni Pacheco, qui ramassent des millions en Côte d'Ivoire. Ça ne te dit rien. Tu ne peux pas te concentrer sur ta vie. Mais tu es là, vous payez. Ça veut dire, vous êtes sur la vie d'Emmanuel Keïta matin, midi et soir. Il y a beaucoup de blogueurs que je respecte, non? Que je n'ai pas envie de dire les noms. Le grand frère Jesse Gay, un grand frère que je respecte, depuis il fait cette vidéo, quand je vois, ça me fait mal. J'ai envie de lui répondre. Mais ceux qui sont VIP et qui me respectent, je n'ai pas envie de rentrer dans ses yeux. Même quand je fais la poste là, quand je fais le poste où c'est la poste, toutes les façons, tout est posté, il m'a appelé. Il n'a pas répondu. Pour le respect. Mais arrivant à certains moments, si vous n'arrêtez pas votre histoire d'Emmanuel Keïta là, moi je serai toujours sur votre sang. Et puis personne n'a mon dossier. Il n'y a pas quelqu'un qui a moi mon dossier sur Facebook. Mais vous tous là, il y a vos dossiers. Tous vos goûts là, il y a tout ça dans mon téléphone. Et vous avez dit, je suis un suspect 96. Je suis un suspect 96. Du coup, putain, concentre-toi sur ta vie. Ta vie même là, on ne sait même pas, tu as 30 ans champion. Moi, c'est l'Amazon, je peux m'amuser, mettre tel go, mettre telle fille, parce que j'ai 19 ans.
Mais à ton âge, à toi, t'attends même, ça veut dire de te salir l'image d'une personne, faire des collages vidéo, envoyer ça à des gens juste pour te moquer de Emmanuel Keïta. Et puis pour toi, ça te fait mal. Tu as contacté tous mes vieux pères, ils n'ont qu'à m'appeler. Donc ça fait mal. Mais Tago là, c'est une poque là, je vous ai dit, je suis l'enfant de Paris. Paris, c'est mon village. J'ai grandi à Paris, c'est mon village, Paris. Mais il faut arrêter d'arriver en certains moments. Sinon, Tago là, si moi je veux l'allumer, ça veut dire les vidéos, les photos que j'ai dans mon téléphone, si je veux l'allumer là, tu vas quitter la go là tout à l'heure, même en deux secondes. Mais pour le respect de beaucoup de personnes, non. Je vais me calmer, je vais rester dans mon coin. Mais vieux père, change de comportement. Tu es grand, tu as au moins 35 ans, tu as l'âge de mon père, tu as l'âge de mon papa. Change de comportement. Faut changer de comportement. Concentre-toi sur ta vie. Depuis que tu es ici en Europe, putain 007, même abonné là, t'as pas plus d'abonnés que moi. Quand on parlait de toi là, moi j'étais à Abidjan. Quand on parlait de toi, putain 007, moi c'est l'Amazon, j'étais à Abidjan. Moi aujourd'hui la putain, en matière, mais hey, t'as rien que moi-même. C'est honteux de ta part. Laisse la vie vivre sa vie. Maintenant, si tu veux que on parte en guerre là, putain, je suis derrière toi. On peut aller. Parce que moi, je sais que tu n'as rien contre. Hey, tu n'as même pas de dossier. Vous ne savez même pas, il sort avec qui. Vous ne savez même pas où j'habite. Personne, un blogueur qui a s'élevé pour dire qu'il a un dossier sur l'Amazon là. C'est pour dire qu'il porte les pantalons. Je suis devenu PD. Nanani, nanana. C'est tout. Mais personne n'a un dossier sur moi. Mais toi, tu connais, tu me connais. Et on se connaît. Grand frère, faut te concentrer sur ta vie. Emmanuel Keïta, c'est une pafleteuse, c'est une menteuse. Laisse la vie. Nous, on est des enfants d'Emmanuel Keïta. Point, basta. Sinon, ta go, là, c'est une poclaille de Paris. Poclaille, premier haut niveau de Paris. Et moi, je te dis ça. Putain, ta go, là, c'est une poclaille. Premier haut de Paris. Il y a tous les dossiers, ça est là. Mais arrivant à cet moment, il faut qu'on arrête. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu fous quoi dans sa vie? Tu n'aimes pas quelqu'un là. Toi, tu fous quoi dans sa vie? On n'a qu'à arrêter des bêtises, Negui. On n'a qu'à arrêter des bêtises. Vous êtes des grandes personnes. Qu'est-ce que vous montrez à cette jeunesse qui nous regarde matin, midi et soir? Moi, c'est l'Amazon, je peux le faire parce qu'on me considère comme un enfant. Je viens de finir mon adolescence, il n'y a même pas 2 ans. Je suis encore un enfant. Je ne suis même pas jeune d'abord. Parce que quand on dit jeune là, c'est à partir de 25 ans. Je n'ai même pas 25 ans. Il n'y a même pas 23 ans, même pas 21 ans. Bon, désolé, hein. Ils ont signalé ma page tout à l'heure. Je vous dis en même temps, en direct, ils ont signalé ma page. Facebook vient de me chicoter tout à l'heure. Mais à faux, on va continuer le direct. Moi, ça ne me dit rien. Ce n'est pas Facebook qui me donne à manger. Je ne compte pas sur Facebook pour manger. Mais grand frère, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas une manque de respect. C'est un conseil que je suis en train de te donner. Moi, là, je peux m'amuser à faire les bêtises que tu es en train de faire. Mais arrivant à certains moments, il faut arrêter. Parce que la go, là même, là, ce n'est pas ta go. La go que tu es en train de l'afficher, là. C'est pas ta go, le vieux. La go t'a payé. La go même t'a payé juste pour la faire connaître. Et puis vous avez géré business juste pour faire mal à Emmanuel Keïta. En fait, tu réfléchis comment? Tu crois que Emmanuel Keïta, elle a le temps de regarder tes bêtises que tu entends de faire là? Tu crois que Emmanuel Keïta, elle a le temps de regarder vos bêtises sur Facebook? Mais non, ici, désolé, grand frère. Ici, vraiment désolé. Tu es comment? Tu crois que tu as 15 ans? Tu crois que tu as 15 ans? Quels sont tes projets? Tu as réalisé quoi? Femme encore, tu as perdu ton temps à parler des femmes. Elle est poclaï, elle a fait ceci, elle a fait ça. À 35 ans, là, qu'est-ce que j'ai réalisé? Il y a combien de voitures à 35 ans? À 35 ans, tu vas perdre le temps. Comme ce qui moi il faisait en 2013, 2014, oui, celle-là c'est une menteuse, oui, je suis sorti avec elle, oui, oui, tous ces fesses-là, c'est pas bon. Et même si ces fesses ne sont pas bonnes, c'est elle qui est venue te draguer, c'est pas toi qui t'es levé, tes grosses tescules, c'est pas toi qui t'es levé pour aller draguer Emmanuel Keïta. Est-ce que c'est Emmanuel Keïta qui t'a dragué? Tu es parti draguer quelqu'un?
Elle t'a accepté. Vous avez Mougou. Après, c'est toi qui dis elle n'est pas bonne. Donc, toi, tu savais qu'elle n'est pas bonne. Hein? Et puis, toi, tu partais la chercher. Arrivé à un certain moment, on est quand c'est respecté dans ce pays. Respectez-vous, les grands frères. Respectez-vous. Respectez votre image à vous. On a qu'à se prendre au sérieux quand même. Vous êtes chargé sur la vie de la fille comme si vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie, vous. Concentrez-vous sur votre vie. Même Sylvia qui est en train d'insulter Emmanuel Keïta matin, midi et soir. C'est qui finance Sylvia? C'est qui envoie des dossiers à Sylvia? C'est toi. Mais vous mentez à tout le monde. Mais le God là, il est en haut. C'est qui vous êtes en train de faire la fille là? Ça a retombé sur vous. Mal même, ça a retombé sur vous. Vous allez voir clair dedans. Tago là, je ne vais plus parler d'elle. Parce qu'il y a des mamans, il y a des vieux pères que je respecte qui m'ont dit, petit, laisse tomber. Sinon, Damaneke, il allait descendre sur sa vie là. On se connaît. Demande-la si elle me connaît ou pas. Montre la vidéo là. Montre une de mes photos à Tago là. À ta nouvelle chérie là. Montre si elle me connaît ou pas. Elle va te dire si elle me connaît ou soit elle ne me connaît pas. Maintenant, si elle dit elle ne me connaît pas là, il y a des photos, des vidéos, non? Et demander la permission à mes abonnés. Quand ils vont me dire de balancer là, je vais mettre ça, vous allez voir. Arrivant à cet moment arrêté, moi je commence à avoir froid. Ma mère est congelée. Elle est gelée, c'est ça, non? Elle commence à avoir froid. Du coup, famille, on ne va pas trop parler. C'est juste. Voilà, c'est juste pour dire à mon grand frère qu'il n'a qu'à arrêter ses bêtises. Il n'a qu'à arrêter ses bêtises parce que il est vieux. Il est vieux. Il n'a qu'à se respecter. Voilà. Ce n'est pas pour demander ou faire quoi. Il croit qu'à 42 ans, en 42 ans, moi à mes 30 ans, je prie Dieu qu'à mes 30 ans, je ne serai plus sur Facebook. Parce que à mes 30 ans, j'ai mes entreprises à gérer. C'est toute une équipe qui va gérer mon Facebook. Toi, depuis Abidjan, on parle de toi. Tu as combien d'abonnés jusqu'à aujourd'hui là? Même moi, je te dépasse en abonnés. Tu as combien d'abonnés? On laissait la fille vivre sa vie. Elle est poclayo. Elle est quoi? Toi-même, tu mouges avec des poclés matin, midi et soir. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez me faire parler? Ça fait combien de mois? Ça fait près de un mois. Vous êtes sur la vie de Emmanuel Keïta. Mais tellement que je te respectais, non? Il ne voulait pas parler, grand frère. Tellement que je te respectais. Même les notes audio, c'est toi qui l'as envoyé à Lolo Beauté. C'est toi qui t'as envoyé ça aussi à Général Macrosso. Ces jours-là, il y a eu mal, grand frère. Je te jure, sur la tête de ma maman. Il y a eu mal. Mais tu étais mon vieux père. Il ne voulait pas te répondre. Il ne voulait pas faire vidéo. Mais trop, c'est trop. Cette vidéo, c'est juste pour te dire qu'on est ensemble. T'amuses encore. Il chicote plus que ça. On vient de signaler ma page, mais c'est rien. On est ensemble. Ciao, ciao, famille. Que Dieu vous bénisse. Je commence à avoir froid. Il faut que je rentre à la maison. Mes doigts sont congelés. On est ensemble, famille. Les fans de Emma Loès, là, pardonnez. Voilà, merci. Yeah, je ne peux même pas couper le direct. Tellement que mon doigt, ma main est congelée, là. Le direct, là, je ne peux pas couper. Yeah. Je ne peux pas. Je ne peux pas couper le direct. Je ne peux pas. Il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sang dans mon doigt. Je peux pas couper le direct. Wow. Et puis c'est vrai. Hein. Je peux pas couper le direct. Bon, famille, je vais essayer de rentrer parce que direct, elle peut pas couper. Du coup, c'est juste pour vous dire ça. Je peux pas couper le direct. Pourquoi même? Aïe, 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 aïe. Famille, on est ensemble. Pardon. Aujourd'hui, il fait froid. Il y a quelqu'un qui dit l'Amazon, si Peter si Peter sont sur Eka, c'est... C'est la faute de qui? Il y a quelqu'un qui dit... Attends. Famille, on a...